Peggy 18. Salut les gens, bienvenue sur Chips, bière et jeux vidéo pour un nouveau let's play sur un jeu qui, je pense, va faire un ou deux épisodes parce qu'il est très très court, mais il est tellement magnifique, je l'attendais avec impatience. Et franchement, j'ai pas été déçu. J'ai dû mettre 1 heure et demie pour terminer le jeu. Donc, vous voyez, c'est très court et c'était mon premier passage. Donc, franchement, je voulais le faire parce que il est juste. Mais vous allez voir, il est juste absolument superbe. C'est Gorogoa. Je peux pas vous dire par qui c'est fait parce que on a vu des trucs au début là, mais je me rappelle plus. Il y a Annapurna et. Je vous dirai dans les com enfin dans la commentaire de la vidéo par qui ça a été édité et produit. Mais voilà, du coup, c'est juste un petit chef-d'œuvre graphique. Je vous laisse regarder ça. Alors, comment ça se présente? Ça se présente comme ceci, c'est-à-dire que vous avez un grand écran et vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi c'est tout petit là au milieu, c'est tout carré? Parce que vous allez voir que les carrés, alors ça c'est le premier carré qu'on a au début, mais après il y aura d'autres carrés, il faudra agir des carrés sur les carrés. Donc en gros c'est un jeu de réflexion, c'est un jeu qui va mettre le principe de penser en dehors de la boîte, comme disent les Anglais, think outside the box, c'est-à-dire qu'il faut, il faut pas penser à juste ce qui se passe là, mais à si on recule, qu'est-ce qui se passe? Si on ajoute des choses qui viennent de l'extérieur, comment ça réagit, etc. Donc vous allez voir, hein, je vais vous faire tout de suite. Donc là, hop, je recule. Et on tombe sur quelqu'un qui cherche ce que c'est que cette bestiole. Donc voilà, il a cherché dans son bouquin, il a trouvé. Alors, il n'y a pas vraiment d'histoire à part que vous avez cette bestiole-là qui est là dehors. Et il faut rassembler les 5 petits fruits dans une coupelle bleue. Voilà. Il n'y a pas plus d'histoire que ça. Ou alors, s'il y en a une, bah, je l'ai ratée. Et à ce moment-là, tant pis. Donc voilà, donc là, tout ce que vous avez, c'est ça. Donc soit, si vous... Alors là, j'ai mis... je vais l'enlever peut-être. Non, je vais le garder. Donc, tout ce qui est réactif se situe sous la main. Tout ce qui est sous la flèche n'est pas réactif. Voilà. Donc, vous voyez que on a fait un retour arrière. Il a cherché dans son livre. Et ce qu'il pense est le nouveau carré qui va être interactif à nouveau. Donc voilà. Et vous voyez que tout se joue en. C'est des. Comment dire? Des panneaux entre guillemets qui glissent et qui viennent au fur et à mesure se remplacer et tout ça. Donc là, c'est pareil. Donc voilà, on a fait une première action, c'est-à-dire qu'on a réussi à aiguiller le personnage sur ce qu'il fallait qu'on cherche. Alors donc voilà, c'est là que c'est magnifique, c'est-à-dire que vous glissez et vous vous rendez compte que là il se passe quelque chose. Voilà. Et là vous pouvez reculer et ça vous donne accès à une nouvelle interface. Alors celle-là c'est pareil, on va pouvoir zoomer je pense. Voilà. Regardez, vous voyez comment c'est? C'est le dessin dans le dessin dans le dessin, c'est absolument extraordinaire. Donc il a déjà trouvé sa bassine bleue. Quelle heure il est? Je voudrais pas faire des. Je pense que je vais faire 3 épisodes grand max dessus, mais. Ok. Alors, du coup, on veut qu'il aille là. Il nous suffit de faire ça. Et il traverse. Vous voyez, c'est inception du dessin. C'est absolument fantastique. Non, on peut pas faire ça.
Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, d'accord, il fallait juste que. Voilà. Là, je peux reculer. Il y a un arbre. Là, je peux aller là sur le côté. Alors, je l'ai fait une seule fois pour le moment. Voilà, donc vous voyez là, hop, ça fait deux images. Et le fruit, il est là. Et voilà. Premier fruit dans la bassine. Et on recule et il se passe plein de choses, vous voyez. Hein, alors c'est le même personnage, il semblerait qu'il lui est arrivé quelque chose. Il est tombé, il est en fauteuil roulant. Il y a plein de trucs qui se passent. Alors, et là, sur l'image qui est là, il n'y a plus de fruits. Vous voyez d'ailleurs, on a des aides à des endroits. Donc là, on nous parle du fruit vert. Et le fruit vert est dans la main de la statue. Non, il va partir chercher le fruit vert. Est-ce qu'il y a autre chose là ou pas? Ah oui, la porte est là. Et alors, c'est tout le long comme ça, c'est absolument magnifique. Les dessins sont superbes, les animations sont vachement sympas. C'est dommage parce que l'histoire est un peu floue, parce que par le fait qu'il cherche son espèce de bestiaux et on sait pas pourquoi. Alors, c'est là que ça se passe. Mais il manque quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a quelque chose là? Là, ça nous explique pour allumer ça. Mais ça, c'est pas tout de suite. Il y a autre chose ou pas? Non. Bon, là, on y reviendra. Hop, voilà. Vous voyez, il faut vraiment penser tout le temps à tout. Oui, bah oui, bah j'ai cliqué dessus. Je peux en faire autre chose ou pas? Ah, peut-être je peux en faire autre chose. Bah non, pourtant. Ça, je peux en faire quelque chose par rapport à la porte qui est là. C'est par-dessus que ça se met. Visiblement. Celle-là est transparente. Est-ce que je peux revenir en arrière? Non. Là, j'ai ça, j'ai ça. Là, j'ai ça, mais c'est pas pour tout de suite. Ah, vous voyez, la lanterne est transparente aussi. Et là, il n'y a rien. Ah! Bah oui, tout bêtement. Ok, donc on suit le petit garçon. Et vraiment, les dessins, je suis soufflée à chaque fois. Pourtant, c'est pas la première fois que je le fais. Ah! Vous voyez, on avait la pomme et on retire et on a l'œil là. Ça donne lieu à. Vous voyez, c'est à nouveau le. Ou c'est le même ou c'est un autre petit garçon. Et là, ça a été la guerre. Il y a une histoire, mais je sais pas.
Oh, ah oui. C'est-à-dire que vous avez une image en arrière-plan, mais vous en voyez que un quart. Et si vous déplacez votre cadre, vous allez voir la suite. Voilà. Recule. Il va prendre sa bassine et il s'en va avec. Ensuite. Et là, vous voyez, ça change. Il y a des choses qui se passent. C'est fou. Alors, ça, c'est le fruit jaune. Alors, j'ai pas fait ça n'importe comment. Déjà, il y a ça qui m'indiquait qu'il faut attraper une étoile, l'étoile qui brillait dans l'image d'avant, pour allumer la lampe. Donc, la lampe est allumée. Maintenant, on regarde là. Là. Là, il y a encore une étoile. Il y a encore une lampe. Ça se déplace. Est-ce qu'on peut... Ah, ben voilà. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Il cherche dans son livre. Visiblement, il y a plusieurs personnages, il y a plusieurs époques, c'est un peu dommage parce que... Clous, ça marche pas. Alors, ah oui, c'est ça, c'est les rochers. Là. Et le coton, là. Et du coup, c'est plus lourd de l'autre côté. Donc, la lampe, elle passe de l'autre côté. Mais malheureusement, la lampe n'est pas éclairée. Hop, et voilà. Ça fait venir un papillon. Et c'est toute action a une conséquence. C'est vraiment superbe. Et des fois, faut aller loin, faut tâtonner parce que. Malheureusement, on ne comprend pas tout tout le temps. Enfin, comment dire, on ne comprend pas tout tout de suite. Donc, là, vous voyez, on avait la statue où le petit garçon il était assis tout à l'heure. Elle est là. Celle-là, j'en ai plus besoin. Là, il y a le cheval. Qui est cassé. Est-ce que je peux... Non, c'est pas ça. On va aller voir ça. Alors là, il y a un truc à faire. Je me rappelle plus ce que c'est, je crois qu'il faut reculer là. Allez là. Voyez, on passe d'image en image, c'est super chouette. Il doit y avoir autre chose à faire, mais je me rappelle plus quoi pour le moment. On va y revenir. Alors. Ça y est.
Ça me revient. Déjà, là, il y a une étoile. Alors, c'est ça, mais c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que on va y revenir. D'abord, on a là cette zone-là avec le caillou qui tombe. Voilà. Une fois qu'elle est tombée là, il faut se déplacer là. Voilà. Et maintenant, là. Là, elle a. Tac. C'est extraordinaire. Rien que le fait d'avoir fait tout ça, d'avoir pensé à ces puzzles, c'est extraordinaire, je trouve. J'ai lu un petit bout d'article qui disait que le mec qui est derrière ce jeu, en fait, il avait au début il voulait faire 6 par 3 par 3, je crois, et en fait, il s'est aperçu que c'était beaucoup trop compliqué. Parce que ça donnait en fait, il n'y avait pas assez de détails. Du coup, on voyait pas assez bien ce qui se passait sur l'écran et c'était pas très agréable pour le joueur. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Est-ce que j'ai autre chose? Parce que des fois, on cherche dans une image, mais il n'y a rien d'autre. Est-ce qu'on a quelque chose là? Ah oui, il va y avoir ça. Pas pour le moment. Ça, c'est bon, on a fait. Ça, tout ça, on a fait. Donc, d'accord, il reste plus que ça. Et encore, même là, il y a des moments, ça mériterait d'être un tout petit peu plus grand. Donc, ça nous explique un truc en rapport avec l'heure. Et en fait, l'heure, on va falloir qu'on fasse avec ça et autre chose. Ok, alors. Ok. Vous voyez, c'est. Alors, quand la boussole indique une certaine heure, ça, enfin, quand la boussole indique un certain endroit, ça fait venir l'étoile. Ça. Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est par-dessus celui-là. Pourquoi il veut pas? Parce que c'est comme ça. Voilà. Là, ça dit qu'il faut mettre la bleue là en bas. Et la rouge de l'autre côté. Donc, l'étoile qui est là. Voilà, voyez. Hop. Je me rappelle plus. Je vais aller voir. Donc là, la bleue est dans le bon sens. Et maintenant, c'est la rouge qui va pas. Alors, on va commencer par faire ça déjà pour la bloquer. Revenir en arrière. Non, c'est pas ça. Il faut faire bouillir, je crois, quelque chose là. Alors. Il faut trouver. Là, ça y est, je l'ai. Regardez, hop, le détail fait que.
C'est fou, hein, parce que il faut y penser vraiment. C'est hop, ça c'est bon. Alors là, vous avez de la chance parce que du coup, enfin de la chance, ça dépend, hein, parce que vous auriez peut-être préféré que je galère un peu plus. Mais vous avez de la chance que je l'ai déjà fait une première fois, ce qui fait que je passe pas des heures sur chaque puzzle. C'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà. Sinon, ça va faire descendre en fait. Même ça, il fallait y penser, hein. Hop, ça a fait apparaître la lumière, enfin l'étoile. Du coup, je vais avoir besoin de l'étoile. Le truc, c'est que je sais pas si ça doit être ça, sûrement. Voilà. Et encore, je trouve que 90 minutes, c'est vachement honorable pour un jeu comme ça. Non, c'est pas là, c'est là. Voilà, c'est là. Ça mène ici. Alors je sais pas, j'ai pas tout à fait compris parce que pourquoi est-ce qu'il pense au petit garçon qui est en train de tomber? Il y a plusieurs lieux, plusieurs époques, plus je sais pas, j'ai pas tout bien saisi. Je sais même pas vraiment s'il y a une histoire. Il aurait fallu une voix off peut-être qui dise, qui explique un peu plus. Alors ça c'est un de mes passages préférés. Pour la beauté du. Le principe des photos. Il y en a un aussi dans. Il y a un truc comme ça dans Goetia aussi. Je pense que Goetia, je vais le terminer toute seule parce que Dio, ça le saoule. Il est pas très très jeu comme ça. Et du coup. Il décroche en fait. Mais on sait que tu veux monter. Alors, merde, je me souviens plus. Alors, c'est peut-être là, c'est ça. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Et ça, on le superpose ici. Et ce que vous faites là, oui, ça fait réagir ailleurs. C'est fou, c'est tellement bien pensé. Je suis désolée, je me répète, hein, mais c'est super. Après, on sait pas trop ce monstre, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait là. Est-ce que c'est un monstre maléfique? Est-ce que c'est un monstre. Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'il cherche absolument à faire revenir le. Je sais pas. Est-ce qu'il cherche à le faire revenir? Est-ce qu'il cherche à l'éviter? J'ai pas tout bien compris. Alors, ça doit être ça, je crois. Voilà, c'est ça. Le motif, vous voyez, en fait, pour avancer au fur et à mesure des tableaux, il faut regarder les détails. C'est-à-dire que là, ça n'y paraît pas, mais en fait, c'est ça qui est important. Du coup, oui, on sait que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Non, ça c'est pas ça. Ça, c'est peut-être ça. Est-ce que c'est ça ou pas? Je me rappelle plus bien. Ça.
Le souci parfois, c'est qu'il y a des animations qui sont un peu longues. Tant qu'on n'est pas arrivé au bout, ben on ne peut pas le supprimer. Alors, c'est pas ça. Ça, c'est le château. Est-ce que c'est... Ah oui, si, ça y est, ça me revient, ça me revient. Donc, il nous faut la cloche. Il nous faut le château. Voilà. Et là, on va faire tourner la roue, si c'est pas merveilleux ça. Par contre, il faut que je... Ben voilà, super. Parfait. Ça, c'est vu. Ensuite, du coup, il est là. Hop. Il a changé de tableau. Passe à la suivante. Alors là, on a... Ah oui, là, ça se complique. Là, il y a l'air d'avoir un cycle. Donc, celui d'avant, c'était le jour. Ça, c'est le mois, je crois. Il a l'air d'être question de cycle, c'est dommage parce qu'on perd une partie du coup de l'intérêt. Alors, après, il semblerait en plus que certaines parties fassent partie entre guillemets d'un tout, c'est-à-dire que ça, on l'a déjà vu sur une autre image et vous voyez, ça se précise en fait. Ça fait. Ça, c'est la roue qui est là. Vous allez voir que ça va s'arrêter parce que là, elle tourne. Ça s'imbrique. Et hop, ça fait tourner la ferme. Mais... Alors, j'arrive pas à me rappeler. Ah si, peut-être là. Voilà. Oui, c'est faux. Faut vraiment zoomer. Truc de fou, quoi. Ok. Et ben ça y est, c'est bon, je l'ai. Manque quelque chose. Ya, vous avez vu, il est à l'envers l'escalier. Donc du coup, c'est pas ça. C'est ça, mais pas tout à fait. Hop, il faut le faire tourner encore une fois. Il faut que celui-ci qu'on vient de voir, là, il se retrouve en bas. Alors là, il est sur le côté, donc ça va pas. Voilà, là il est bon. Alors, hop, hop, on zoome. Hop, il peut récupérer l'autre porte. Là, on va faire un zoom arrière. Il se retrouve dans un nouveau tableau. Et on a toujours ce monstre qui est là. Pas bien tout suivi, mais enfin bon. Ça, là, il y a un nouveau cycle, ça m'a l'air d'être les saisons. Mais il y a encore, pas tout à fait. Je sais pas, c'est... En tout cas, c'est superbe, hein. C'est vraiment magnifique. Chaque truc a ses détails différents, des couleurs différentes, c'est vraiment superbe. Alors, lui, il est passé là et il faut qu'il descende. Là, il monte son escalier. Ah oui, c'est ça. Ah voilà. Le problème, c'est ça, c'est que... En fait, là, il faut que j'arrive à déterminer...
quelle est la tuile, entre guillemets, dont on a besoin? Dans quel sens? C'est celle-ci. Il faut qu'elle soit tournée. Alors, pourquoi c'est celle-ci? À cause des petites fleurs bleues, hein. Vous voyez, c'est. Il faut qu'elle soit tournée dans l'autre sens comme ça. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'elle se retrouve en haut, à la place de celle-ci. On va faire ça. On va attendre que là l'animation soit terminée. Ça n'empêche pas. Hop. Donc c'est celui-ci, il faut qu'il soit en haut. Hop, super. Donc ça, on n'en a pas besoin pour le moment. Là, on va revenir en arrière parce que ça fait de. Ça bouge et ça pose souci. Voilà, là il traverse, très bien. Il va se retrouver, hop, vous voyez, hop là. C'est un jeu de j'échange et en fait ça aurait peut-être mérité une cinquième case pour pouvoir bouger des choses ici et les remettre après. Je sais pas. Alors lui il a fait tomber ça. Je sais pas pourquoi il pense au petit garçon qui tombe, je comprends pas ça. Un anneau là. On s'en sert pour quelque chose, mais je me rappelle plus quoi. Là, on va revenir en arrière. Ah voilà, l'assiette est cassée. Là, on a quelque chose, mais je ne sais pas comment l'appeler. Mais il semblerait qu'il y ait un jour, alors ça a l'air d'être les jours de la semaine, oui, il y en a 7, et ce jour-là, il se passe un truc avec la bestiole, mais quoi, je sais toujours pas. Il n'y a rien d'autre à faire ici, d'accord, très bien. Là, ah bah là, on peut dézoomer. Et on tombe sur un vieux monsieur. Alors, est-ce que c'est le gamin qui est là? Est-ce que c'est le gamin qui lisait tout à l'heure? Je sais pas. C'est pareil. Il semblerait qu'il y ait un lien, mais lequel, j'arrive pas à. Alors, on a notre pièce. Non, mais il y a autre chose à faire. Truc à faire ici. Quoi? Ça se trouve, la plupart d'entre vous l'ont vu et moi je n'arrive pas à le voir. Je vais y revenir. Voilà, déjà le petit garçon il peut passer. Hop. Donc, le fruit violet, il est ici. Voilà. Et ça nous donne la gare. Pour monter, il nous faut une pièce. Donc, on va mettre la pièce. Il va monter dans le wagon. Alors, le fruit, il est là et le wagonnet du petit garçon est là. Donc, il va suivre un chemin. Il faut faire en sorte que.
avoir un truc à faire, mais... Ah oui, si. Il y a une histoire avec... Ah bah voilà, ça. Notamment. Regardez, hop. Et en fait, on interchange les pièces pour changer le trajet du... Bah, il est sur les bons rails. Pour changer le trajet du wagonnet. Et cette carte-là, on va s'en resservir. Parce qu'il y a plein, plein de choses à aller voir. Bah justement, c'est... Il y a ça, notamment. Alors, normalement, il est arrivé à destination, le petit garçon. Voilà. Et comme il arrive à destination, eh ben, je vais vous dire... au prochain épisode. Allez, ciao les gens!